Salutations mes amis, c'est une carte de l'Argentine. L'Argentine est située dans le sud de l'Amérique du Sud, partageant des frontières terrestres avec le Chili à travers les Andes à l'ouest, la Bolivie et le Paraguay au nord, le Brésil au nord-est, l'Uruguay et l'océan Atlantique sud à l'est, et le passage de Drake au sud, pour une longueur totale de frontières terrestres de 9376 km. Sa frontière côtière sur le Rio de la Plata et l'océan Atlantique Sud est longue de 5117 km. L'Argentine, officiellement la République Argentine, est un pays de la moitié sud de l'Amérique du Sud. L'Argentine est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud après le Brésil, le quatrième plus grand pays des Amériques et le huitième plus grand pays du monde. Il partage la majeure partie du cône sud avec le Chili à l'ouest. De plus, l'Argentine est un État fédéral subdivisé en 23 provinces et une ville autonome, qui est la capitale fédérale et la plus grande ville du pays, Buenos Aires. Les provinces et la capitale ont leur propre constitution, mais existent sous un système fédéral. L'Argentine revendique la souveraineté sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et une partie de l'Antarctique. Le point culminant de l'Argentine est l'Aconcagua dans la province de Mendoza à 6959 mètres au-dessus du niveau de la mer, également le point le plus élevé des hémisphères sud et ouest. Le point le plus bas est Laguna del Carbón dans la province de Santa Cruz de la Grande Dépression de San Julián, moins 105 mètres sous le niveau de la mer. Également le point le plus bas des hémisphères sud et ouest, et le septième point le plus bas de la Terre. Le point le plus au nord se trouve au confluent des rivières grandes de San Juan et Moginette dans la province de Rurui. Le plus méridional est le cap San Pio dans la province de Tierra del Fuego. Le plus à l'est est au nord-est de Bernardo de Irigoyen, Misión et le plus à l'ouest se trouve dans le parc national Los Glaciar dans la province de Santa Cruz. La distance maximale nord-sud est de 3694 km, tandis que la distance maximale est-ouest est de 1423 km. De plus, certains des principaux fleuves sont le Paraná, en Uruguay, qui se rejoignent pour former le Rio de la Plata, le Paraguay, le Salado, le Negro, le Santa Cruz, le Pilcomayo, le Bermejo et le Colorado. Ces fleuves se déversent dans la mer d'Argentine. La zone peu profonde de l'océan Atlantique au-dessus du plateau argentin, une plateforme continentale exceptionnellement large. Ces eaux sont influencées par deux grands courants océaniques. Le courant chaud du Brésil et le courant froid des Malouines. C'est tout pour le moment. Merci pour l'écoute. S'il vous plaît, commentez et abonnez-vous pour les meilleures cartes. Au revoir.